Flair qui va tenter le miracle. Quoi? Et... Ah, la comète de Pégase du 7ème sens. Seigneur qui a ruiné le chat. 11 le contre club. 1 11 contre 1 Fred. 11 contre 1 la côte. 11 contre 1 la côte. Les points sont donnés. Les mecs sont la matune. Regarde le chat, regarde le chat, lis le chat. Ah, le crash boursier. Par contre, tu m'as buté. Tu m'as buté. C'est Yar qui tente l'Irak, quoi. Ah putain, il l'a fait, hein. Il l'a fait, hein. On va donc voir ensuite... On va donc voir ensuite un non-match... Ça, c'est mon avis. Hein. Un non-match avec Naruto face à Woody. Non, alors là, par contre, tu leur mets le là, terrain là, en jeu. Là, Fuera, Fuera, bien sûr. Ouais, elle Fuera. Même s'il n'y a pas 10 de différence. Hein. Si je m'en calais à mes règles... Allez, un 9. Ouais, mais bon, Fuera, à part sinon, c'est pas possible. Enfin bon, activation. Place your bet. J'espère que vous avez eu le temps de faire RSA, les enfants. Hein, parce ouais, que... je pense que... Il y a du monde devant la NPE là aujourd'hui. Ah putain, il y a des gens qui sont là à la collecte de Brigitte Macron, hein, c'est pas pour donner. Hein. La soupe populaire a reçu du monde là. Ils sont là pour montrer leurs papiers. Hein. Ça va manger des petits pois ce soir. Quand les ouvre-boîtes deviennent une commodité qui a plus de valeur que l'eau. Quel enfer. Oh putain. Ah. Ah, le désespoir dans le chat, j'espère que t'as lu. Faut penser à lire quand t'as les crash boursiers. Bien sûr, évidemment. Parce que tu lèches ton écran. Hein. Évidemment, c'est la première chose que j'ai lu. Ça a le même goût que le saucisson de la soirée de jeudi dernier, tu sais, chez Jess. Non, je sais plus. Mais voilà. Ça a ce même goût là. Hein. Ça a ce même goût là, gars. C'est le genre de truc, tu le mâches pas, tu le laisses d'abord fondre sur ta langue. Hein. T'es bien. Ça doit être tellement délicieux quand t'as un perso avec 20 ou 30 de différence qui se prend un vieux Fuera. Ah, c'est arrivé, Plume a gagné une fois comme ça. Gogeta SSJ4. Incroyable. Ah, les gens qui vendent leur maison. En plus, la map avait été choisie aléatoirement. Donc, là, c'était Ah oui, donc c'est comme au poker, hein. Quand ils ont vu la map arriver, ils ont commencé à transpirer. Puis Plume a fait une chope. Voilà. Dégueulasse. Les mecs, ils vendaient un rein, une couille et la partie gauche de leur cerveau à la science. Ils se font faire des tatouages sur les bras de pub. Des tatouages Coca-Cola, des sponsors. Ils deviennent des panneaux humains. Ils vendent leurs enfants. Il n'y a plus que ça. Ok. Ah putain. Oui, en map Fuera, on a dit. Ça, il me semble, c'est une map Fuera aussi. Hein. Ouais, on dirait. Allons-y. En fait, attends, laisse-moi vérifier. Un moyen très simple de vérifier. Si je mets des batailles à plusieurs, il faut savoir qu'il n'y a pas de map Fuera à bataille à plusieurs. C'est interdit. Donc voilà, je vérifie. Voilà. Et... Ouais, tu vois, les deux dernières elles sont bannies là, donc c'est bien des maps Fuera. Mes excuses. C'était un aspect technique, brave gens, toutes mes excuses. C'est pour être sûr en fait que je prenne pas. Parce que elles sont toutes modées les maps, donc c'est n'importe quoi. Enfin, t'as vu le. Comme dit, le Fuera marche pas sur cette map. Ah, d'accord. D'accord, dans ce cas là, je vais mettre celle qu'on est sûr que ça marche. Et on la testera autrement, c'est pas un problème. Ah putain. Alors. Non plus. J'ai plein de musique à la con comme ça, mais je. Quelle est la cause ? Este poder para conseguir la paz. Parfait. Les mostraré lo fuerte y terrible que soy. Macho man, gars. Oh, ça commence net. Muy lento.
Parce que ça va finir vite. Ah non. Attention, il est dos au mur là. Ok. Félicitations à tous ceux qui ont parié sur Naruto. Il était à 61 contre 1. Et ça a été expéditif. Par perfect. Hein. Donc c'est net. Hein. Donc ce sera Seiyar Naruto. Hein. À mon avis, ça a mal se passer pour Seiyar. Mais on peut être surpris. Agréablement. Prochain match, Roi Cold. Contre El Unico. El Fantasmico. El Incredibile. Legendario Guerrero. Donc tu veux dire qu'en demi-finale, ça va être Legendario Guerrero. Et contre Naruto. Naruto, comme on est parti. Mais, ne vendons pas la catin. Ça va faire une finale Legendario Guerrero contre Krillin. Ah non, mais voilà, c'est pour ça. Mais ne vendons pas la catin avant qu'elle ait fait le tapin. Place your bets! Et en plus, est-ce que le Legendario Guerrero peut gagner face à El Gran Padre? Et ça, c'est pas dit. Hein. Parce que le Grand Padre, il a des listo para atacar et il met des barres. Hein. Le Grand Padre, il est vénère. Impeccable. Bon, qu'est-ce que t'en penses jusque-là? C'est très marrant. Ah, tu vois? C'est marrant. Et en plus, comme j'ai plein de roms, t'as plein de tournois possibles et envisageables, il y a des trucs complètement pétés. Enfin, voilà, quoi. Tu peux faire des matchs à thème, tu peux faire des tournois à thème. Donc, honnêtement, c'est cool. C'est fun. Après, des persos qui sont ridiculement pétés. Oui, bien sûr, bien sûr. J'essaie de trop les éviter, ceux-là, mais là, on a pris les Legendario Guerrero incroyables. Parce que t'as vu son design, t'as craqué, mais évidemment, normalement, tu prends pas ça. Mais Roi Cold, tu vois, bon, il tape dur, mais le design est bien fait. Là, c'est pas dégueulasse. Hein. Impeccable, on est bien. Non, attends. Pourquoi j'ai le son dans l'oreille? Une seconde. Ok, vendu. Et j'ai ça aussi. Hein. Mais non, mais ça marche. Non, pas au... Oh, allez, à toi. Le fuera. Le mec hurle pour le fuera. Ce sera aléatoire, les enfants. Ah, on est à Bikini Bottom. Attends une seconde. C'est vrai qu'on me dit et la règle. Les gens me disent et la règle parce qu'ils ont 10 de différence. Donc est-ce qu'on les met en map de fuera? Ça, c'est quand même... Ouais. Eh, tu vois, obligé. C'est la règle, on l'a dit. C'est vrai. Donc, faut respecter la règle. Par contre, on change pas les bêtes. Voilà. Dégueulasse. Allez, bonne chance. Accepto el reto. Rio Mortal Maximo! Attention, il y a Maximo Poder! C'est encore possible! Hein. C'est possible! Ouh! C'est possible, mais pour l'instant, on n'a pas eu de miracle sur cette map. 9-9-9 de dégâts, c'est interdit normalement ça! C'est banni en tournoi, ça. Allez, fais quelque chose. Bon, c'est banni en tournoi, ça. Félicitations à tous ceux qui ont parié sur El Guerrero Ultimo. C'est banni en tournoi, ça. On ne le savait pas. Ouais, bien sûr. Mais les persos qui font 9-9-9, on les bannit en tournoi, mais pour le futur. Mais ouais, au moins, on le saura. C'est pas important. Mais voilà, c'est fait. Roi Cold, sorti. Krillin, Vegeta Omni. Allons-y, hein, ça va vite. Regarde. Krillin, Vegeta Omni.
Mais on tentera, hein, contre El Guerrero, on mettra un 5v1 à la fin, où tous les guerriers de ce tournoi essaient de tomber. En vrai, Naruto contre El Guerrero, ça peut faire un match sympa. Il peut se passer des choses, il peut se passer des choses. Mais comme je te dis, à la fin, si c'est El Guerrero qui gagne ou El Naruto comme ça, je prends les 5 autres guerriers du tournoi qui nous ont le plus impressionné, je fais une team 5v1. Pour voir jusqu'où ils vont. Et à la fin, celui qui gagne, on le met face à El Gran Padre. Et s'il gagne contre El Gran Padre, eh bien, on double les points de tout le monde parce que c'est comme ça, c'est la générosité. C'est tout. Bikini Bottom, match suivant. Krillin contre Vegeta Omnigod. Bob, t'avais dit que les points étaient x2 s'il y a un perfect. Eh ben, j'ai oublié comment le faire. Scoxy a dû me rappeler la commande, mais j'ai oublié. Donc, tant pis, j'ai menti. Allez hop, place your bets. Ils apprennent vite, hein. Et c'est pour ça, tu vois, en convention, que mes files d'attente, il n'y a aucun problème. Parce que les mecs, ils apprennent vite, en fait. C'est... Fanta a exprimé notre pensée à tous quand il était à « Oui, mais c'est pas toi qui décides !» Tu vois, il y a... Il y a une leçon à tirer de tout ça, tu vois. C'est... La leçon étant que c'est pas toi qui décides, en fait. Les paroles sages. Allez, vendu. Oh, attends, attends, j'ai Xor, en japonais. Ici, nous sommes dans la qualidade, mon cher monsieur. Qualitativité. Apparemment, tu n'as pas ouvert les bêtes. Ah merde, ça ne m'a pas marché. Alors, mes excuses, c'est un bug. C'est un bug, c'est pas de ma faute. Donc, je clean bet, mes excuses. Et ne regardez pas l'indicateur, il ne marche pas. Place your bets. Place your bets. C'est bon, ça fonctionne. Toutes mes excuses. Tu peux recommencer. Pardon. Ça arrive parfois, hein. C'est un bug, c'est pas ma faute. Moi, je garde ma confiance dans Krillin. J'avoue que Krillin, c'est l'underdog. 12 contre 1 en faveur de Vegeta. Mais Krillin est très agressif. Et puis Krillin, il a l'attaque ultime, hein. Il fait Kanaya. Il le traite de canaille. L'autre, il est brisé. Après, il se met au corps à corps, il lui met une gifle. Il fait Kianzan. Il met juste des gifles. Il fait juste monter son pouvoir, mais sans utiliser technique. Tu sais, il fait comme dans DBZ où les mecs, ils chargent un peu. Et il fait Kaioken. Et ça compte. Ça compte. Parfois, il fait un coup de genou, il fait Kaioken. C'est pas ça, en fait, mais c'est pas grave. Oui, oui. C'est Krillin. Il invente une technique. C'est quoi la musique? C'est Uchu Keiichi Gaban, donc Xor en français, et c'est son opening, l'opening de Xor, en japonais. Yakuza. Wakasa, wakasa de nanda. C'est bon. Du coup, la bonne musique qui va bien. Est-ce qu'on peut avoir un truc sympathique? Mais excuse, hein. Mais pas comme, comme je randomise ma musique list. Ah, pas mal. Quand ça relance? Quand ça relance? Ah putain, mais c'est pas vrai! Le bet ne finit jamais. Qu'est-ce que c'est cette merde? Ah. Ah. Scoxy, c'est de la merde ton truc. Clean bet. Clean bet. Clean bet. D'accord, les bêtes ont été refresh. Merci. Attention. Place your bets. Merci. Oh, quel enfer. Mes excuses. Ça ne bug pas autant d'habitude. Mais là, c'est inacceptable. Le gars, il a créé, mais de vanille, de tout pour rien, Cooksy, il a tout créé. Ouais, le bot, beau, hein. Les commandes et tout, et je l'insulte. Il a eu un jeu, je m'excuse. Prends ta photo. C'est ça, c'est comme dans les chevaliers du... Non, les chevaliers de la Spalaise, quoi, c'est... Prends ta photo dédicacée. Dégueulasse. En tout cas, son truc, il est imbloquable. C'est... Ça marche. Et d'ailleurs, à ce propos, j'en profite, pour regarder... sur l'overlay,
où est-ce qu'on en est au niveau des scores, mon cher Fred? Voyons voir. Pour l'instant, nous avons Julien Ando, qui avec 10 victoires consécutives et 0 défaites, tiens, ben dis donc, est à 12 millions de points. Et il est loin devant Lenny Bar, qui n'est qu'à 3 millions de points. Mais lui, 12 millions d'unités. Hein. Lenny Bar, c'est Napa. Non, ça ne cheat pas. Non, bah c'est, si tu calcules les multiplications, pour peu qu'il ait, il ait fait un pari à peu près bon, tu vois. Oui, je trouve. Ouais. Pareil, tu vois, là, il y a Caveman en face qui a pari 650 000. Et on est à 6 contre 1 là en termes de ranking. Donc si Krillin gagne, c'est ça fois 6 quoi. Et l'autre en face, il a parié 12 millions. Ah bah c'est Julien Ando. Julien Ando a parié 12 millions sur Vegeta Omnigod. Donc s'il perd, c'est le placard au débilus. Et son poder sera Nulando. Donc là, il a tout mis dedans. Je sais pas si tu te rends compte, hein, le pari. Aïe. Oh, il prend pas spécialement des risques, mais en même temps, est-ce qu'il a vraiment besoin de prendre des risques? Il prend pas spécialement des risques, Krillin, canaille. Krillin, il hurle Kaioken. Alors, l'autre en face, il hurle Vegeta, mais c'est parti. Mais moi, j'y crois, Krillin. On y croit. Ouh. Allez, on veut rêver là. Il a frôlé. Il fait pas beaucoup de dégâts, Krillin. Si, il a repoussé. L'important, c'est pas les dégâts au corps à corps, l'important, c'est les techniques. Attention. C'est bon. Krillin, pour l'instant, qui se défend. Krillin, Maximo Poder. Il balance des vieux Kienza de nulle part. Ouh! Non, dommage. Ah. Waouh, le Kamehameha original à Kanaya. Il a le bouffé celui-là. Aïe 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 la barre. Ah ça fait mal là, ça fait mal. Ça fait mal, 3 barres, quasi 4. On veut croire au miracle mais pour l'instant... Ah sous-estime pas, il a raté. Ah, il a chargé Maximo Poder. Et Vegeta qui tourne dans tout. Ouh là là, c'est passé quelque chose là. Max Poder, ma Kamehameha. Allez, faut le passer. Il a tout pris. Il a pris. Le Final Flash. Aïe aïe aïe. Ah, ah non. Ah non! Maximo Poder, Vegeta! Siba! Maximo Poder! Attends, non, c'est pas passé, là, c'est fini! Ah, c'est fini! Ah, il l'a eu! C'est fini! Et carotte en cuite. Impressionnant quand même. Impressionnant. Les points ont été distribués à Vegeta God. Mon argent, bâtard, au placard. Les gens pleurent. C'est dommage. Hein. Dommage. Hein. Pour Krillin qui avait fait une saison, somme toute, assez belle, assez forte. Ah oui. Et là, Seiyar Naruto, Legendario Guerrero Krillin. Ça m'a l'air assez écrit, mais allons-y. Il avait passé le dernier tour un peu par surprise, hein, Krillin. Ouais, j'avoue.
Mais là... Seiya, il est où? Il est là, Seiya. Seiya contre Naruto. À mon avis, ça va pas se passer. Hein. Ah, ça me semble compliqué aussi. Ouais, ça me semble compromis. Compliqué. Mais on va faire une surprise dans le match. C'est parti. Place your bets. Alors 1600 contre 1 en faveur de Naruto. C'est Vegeta, pas Krillin. J'ai fait avancer Krillin. Ah oui, j'ai fait avancer Krillin, pardon. Bien sûr. On s'en serait rendu compte, rassurez-vous. Krillin qui avance dans le tournoi par une erreur du juge. Le malentendu. Krillin qui va se retrouver face à Legendaro Guerrero à la fin. Et qui sur un Fuera a toutes ses chances. Hein. T'as vu que Vegeta Omnigod a fait mal, mais c'est principalement parce qu'il a calé deux ultras. Hein, qui ont fait tomber 12 barres d'un coup. Ouais. Voilà. Ah, il est vénère. Vegeta Omnigod, il est vénère. Ouais, mais il tape dur. Mais c'est juste qu'en termes d'avantage au CAC, Krillin, il était là. Hein. Il était là. Pour l'instant, on attend toujours le concurrent à Legendaro Guerrero. Bah, Naruto Uzumaki, hein. Naruto, tu crois qu'il... Ah, il peut se passer des choses. Il y a le match. Il peut se passer des choses. Il y a match, hein. Il y a match, il y a match. Et au pire, El Gran Padre. Mais ça, c'est... La hype qui est mise sur le Gran Padre. ma popif, allons-y. Musique qui va bien avec. Voyons voir. Non plus. Non plus, on doit bien avoir un truc. Allez, vendu. Je m'encargerai de matarte. Allez, Seiya. Il a aucune chance, mais si jamais il arrive à le tomber dans le verre, ce serait beau. Ouais. Oui, il a fui. C'est intelligent de sa part. C'est dommage, c'est fini. Oh là là! Ça charge le poder! Les parades! Pelea! Alors Rasengan, où il est bloqué? Il est dans le bâtiment, il n'y est plus! Il a fait un passage à la banque! Il a retiré la pension d'Hinata! Il esquive! Benga! Benga! Paya Seiyar! Pelea con toda tu fuerza! La comète de Pégase! Ça rate! C'était anticlimatique. Ah, il a été touché, du coup, il ne sait pas où il se trouve. Et il gagne. Il rate. Il rate encore. Il a raté, ouais, l'autre s'est déplacé. Il l'a vu, il l'a vu. Ah, il faut l'esquiver, il faut l'esquiver. Oh, aïe, 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 aïe. C'est 3 barres. Ouh, c'est 2 barres. Pelea! Pas c'est toi! Bon, il résiste! C'est beau! C'est beau! Ouh! 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 Oh là là! Oh là là! La comète de Pégase! Il est dedans, il a esquivé, mais il est dedans! Ce club de Ligue 2 qui est en Champions League! Cette équipe de foot de 15 ans et demi qui bat l'équipe championne du monde de foot féminin! Incroyable! C'est incroyable! Pelea! Vas-y, bats-toi, Pelea! Vamos a pelear! Attention, le Rasengan! Mais c'est fou! Il les gens qui ont parié il l'a tombé dans le verre! Il a les tombé dans le verre! On est à 300! On est à 316 contre 1. Aïe, 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 aïe. C'est pas trouver une musique. Il hein. y a des gens qui commencent à se frotter les couilles sur les murs. Là.
Et ils marquent le territoire des débris qui sont leur maison après qu'elles aient été détruites. Excuse-moi. Mais... Attends, laisse-moi trouver des musiques parce que là, il se passe des choses. J'en connais qui commencent à transpirer. Est-ce que vous voulez une pause pipi, brave Jean, hein, pour pour qu'on revienne là-dessus ou pas du tout hein. You are the chosen one. Ah putain, alors là. Allez, de l'orbite, c'est parti. Ce serait beau. Oh, mais il esquive tout. Il y a la Terre en dessous, c'est le cosmos. Ils ont tout cassé. Ils ont cassé la carte. Allez, Seiya. Mode sage. Un Naruto qui arrête de jouer, là. Comète de Pégase. Il a tout esquivé. Pelea. Naruto qui vient oh de merde. Ouh. Il a esquivé. La patate dans le vide, l'esquive. Pelea. Le club de Niteux qui est en train de battre le Bayern. La comète de Pégase. Il est perdu. Il sait pas où il est. Il a une ouverture là. Il a une ouverture. Il charge. Préparate. Préparate à Pelear. Pelear. Le crash mortier. Non, il a survécu. Oui. Non. Ah. Oui. Incroyable. 316 contre 1. Le crash boursier total. 316 contre 1. Laisse-moi regarder, c'est incroyable, on a jamais vu ça dans la Ligue des Sports. Laisse-moi regarder qui a parié sur Seyar. Le plus gros pari sur Seyar est de Wolf Mehdi. Merci Mehdi. C'est tellement beau. Qui a mis 10 000 points contre Julian Ando qui est en all-in à 26 millions. Alors, il faut pas que je me trompe, que je n'appuie pas sur le mauvais bouton. Laissez-moi oui, voir le jeu. Voilà, parce clean bet. Là, c'est. Laisse-moi voir ça. Voilà, très bien. Donc, il a gagné. Les points ont été distribués. Regarde les points. Puni. Voilà, ça y est, c'est fait. Ouh. Ah, attends, remonte les points. Ouais, je remonte les points maintenant que c'est distribué. Voilà, je mets à jour. Et nous avons oh Wolf là. Mehdi qui domine avec. 34 millions, non, 3 millions, seulement 3 millions. Le classement qui a changé. Suivi de Cactus Momodo. le spam RSA. Oh là 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 là, mais le placard, incroyable le ce qu'on a vu. Le placard qui dégueule. Quoi. Incroyable ce qu'on a vu, hein. Exceptionnel. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Seiyar en finale. Alors par contre, Legendario Guerrero contre Vegeta Omni. Allons-y. Hein. Mais incroyable. Ah, ça va, rien que cette soirée, ça valait ça. Hein. Rien que ça, ça valait le coup. Oui, rien que pour ce match, oh ça valait là le coup. Là 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 là. C'est cette espèce de... Ce underdog absolu. Ah putain, j'en oublie qui est les prochains. Tremble. Qui est le Shadow Guerrero Vegeta Omni. Putain. Ah, ça te met sur le cul, quoi. Alors attends, il est où le Legendario Guerrero pété du cul. Il est là. Contre Vegeta Omni, il est là. Et les gens, au début du match, ils étaient en mode mais la différence, mais la fuera. La fuera, mais la fuera, rien du tout. Rien du tout. Alors, c'est là qu'est là. Mon all-in n'a pas compté, j'ai gardé mes thunes. T'as tout gagné. Mon all-in n'a pas compté, j'ai rien gagné. T'as tout perdu. C'est comme ça que ça se passe. Tu crois qu'ici, c'est clean? Tu crois qu'ici, c'est la française des jeux où tu peux aller dans un PMU, faire appel à un contestataire, demander à un avocat, tout ça. Non, ici, on est chez les Russes, gars. On est chez les Russes. Si l'arbitre, quand tu lui as donné l'argent, il se souvient pas de toi après, tu sais, ça bat les couilles. C'est comme dans le début de Hot Shot 2, tu sais, quand ils font des paris illégaux, enfin voilà quoi. T'as donné de l'argent au pif au gars qui a fait du betting, mais si t'as pas eu ton ticket, on s'en bat les couilles ici. Ici, c'est la corruption. Oui, gars. Parodie de Rambo, donc c'est... Voilà, on s'en bat les couilles, voilà, c'est pour ça. Du coup, place your bets. Ça devrait être assez évident. Voilà. Mais, ici, c'est Baron de la Pègre. Hein. On s'en fout. Hein.
Avec Fred qui a décidé du roster de ce soir dans le chronisme le plus absolu. Hein. Imbloquable. Regarde, différent, ouais. Ah mais je pense que là, le cœur de tout le monde est pour Seiyar. Et tu vois, Legendary Guerrero, il est seulement à 23 de poder, mais c'est un mensonge, tu vois. Zenku, 40, moi j'y crois pas. Moi je dis Zenku, il se fait démonter par Legendary Guerrero. Hein. T'as vu la puissance de Legendary Guerrero? Ouais, c'est ouf. Au corps à corps, quand il fait un combo, tu sais, quand les gars ils font un combo, ils font 3000 de dégâts, 4000. Lui il fait 40 000, quoi, c'est. Lennon Stonks Industries. Mais oui, vous êtes dans le Stonks Club. Le Stonks Club. Ah oh, putain. 13 contre 1 en faveur de Legendary Guerrero. Ce qui est moins impressionnant que la dernière fois, hein. Donc c'est pas. Mais les gens commencent à douter de ça. Ouais, tu vois, ils commencent à comprendre. Hein. Ils commencent à comprendre. Surtout l'autre qui a perdu, mais genre 26 milliards de points. Allez. La map aléatoire, si c'est Fuera, je la garde. Ah bah, Torneo del Poder. Avec le pilier du mal. Hein. Il peut se passer des choses avec le pilier du mal. Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más. Vaya, hasta que salió el insecto. ¿Quién ganará? La batalla comienza. Allez, c'est parti! Vas-y! Vegeta, vas-y! Oui! Regarde, ça commence! Allez, sortez-moi le là! Ça va durer un quart d'heure, regarde ça! Il est noyé dans ses cheveux. C'est molestación! En espagnol, si tu veux. Il a perdu, après une ultra de Vegeta, il a perdu 4-4 vies. Non, mais je suis désolé, mais Guerrero, il est pété. Il est craqué. Ça m'a l'air illégal. Ouais, non, ça, c'est pas... C'est interdit. Annulation, parce que là, l'arbitre a vu qu'il fait des dégâts incroyables. C'est inacceptable. Ouais, il est dopé. Voilà. Il est dopé. C'est la map à Fuera. C'est obligé, sinon l'autre pourrait jamais lui faire tomber la vie. Hein. Ça n'existe pas. Je ne peux pas supporter ta présence, amigo. Fuera! Ganará. La batalla. Après, ça peut le servir aussi, hein. C'est sûr. Et regarde ça, il fait aucun dégât, ouais. Ouais, c'est incroyable. Il faut qu'il le fuerate, hein. Y'a pas d'autre choix. Il maximo poder. Et il bouge pas en plus. Il est statique. Ouh là là. Listo para atacar. Est-ce qu'il va dégager? Non, il reste pas. Kamehameha à fond, un milliard! Kamehameha, un milliard! Oh, c'est proche, ça! Ouh, elle est là! Ouh là là! Ouh là là! Aïe. C'était proche, hein! Ah, il s'en veut deux cents! Kamehameha à fond, un milliard! 999 de barre! Fouet là! Ah, et c'est Vegeta. Félicitations en tout cas. L'arbitre, les cheveux touchent l'arbitre. Les cheveux ne comptent pas. Félicitations à tous ceux qui ont parié sur Legendary Guerrero de mes couilles. Mais effectivement, le porc épique a vaincu. Ouais, ça va être le PSG contre le Bayern en finale. La grande finale. Tous les espoirs sont permis. Alors là, après, Seiyar nous a tellement étonnés depuis le début de cette partie. Ah, surtout que je réserve une surprise. Je réserve une surprise. Place your bets! Oh là là, c'est ouvert. Mais effectivement, mais je réserve une surprise. Ah, regarde ça, regarde le nombre de all-in-1. Ah, les ouais. Gens font confiance à Seiyar. Ouais, les gens veulent rêver. C'est incroyable, les gens veulent rêver, hein, mais les gens sont un peu cons. 4
contre 1 pour Seiya, j'y crois pas. J'annonce les gens, j'y crois pas. Les miracles, ça arrive pas deux fois d'affilée. Attends, Seiya, c'est le guerrier au miracle. Bien sûr. C'est un peu son shtick, hein, j'ai envie de dire. Mais là, si ça arrive... Seiya, les chances sur 1 milliard, pour lui, c'est 100%. Après, j'ai une deuxième surprise. Legendario Guerrero devra confirmer sa victoire, parce que le dopage. Mais par contre, si Seiya gagne, alors là c'est Shonen. Là, c'est incroyable. C'est le torneo des poders. En plus, t'as Seiya qui gagne. Non, mais c'est honnête, hein. Avoue. T'es venu, t'as pas été déçu, quoi. Mais un milliardième de pourcent, c'est 100% pour Seiya. Mais il a aucune chance. Mon avis est qu'il a aucune chance. Les bêtes sont fermées. Donnez-moi une musique. Vendu. Allez. Oh là 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 là. Vamos a pelear! Battons-nous! Ce public qui est hype. Yo me encargaré de matarte. ¿Qué vas a hacer ahora? La bataille commence! Avec Seiya qui ouvre en gambit d'ouverture! Oh là là! Non! Fuera! Fuera! Incroyable! La victoire éclair de Seiya. Il y avait que ça. Traverser tout le tournoi. Il y avait que ça pour lui. Il y avait que ça pour lui, tu vois, parce que comment tu gagnes autrement, si tu veux. Comment tu gagnes autrement que dans une victoire. Le héros. Incroyable. Voilà. Incroyable. Il a battu le dieu de la destruction Scooby-Doo. Il a battu Naruto. Il a battu le. C'est. Il a battu Ribrian, mais c'était facile. Scooby-Doo, Seiya, putain. Imbloquable. Les points ont été distribués. Maintenant vous n'avez plus à parier, parce que c'est des matchs bonus contre les boss cachés. S'il gagne, on double les points. Tant qu'il gagne, on avance. Mais là ça va être Seiya contre El Gran Padre. El Gran Sacerdote. Oh là là, incroyable. Ce match éclair. Mais il avait raison, parce que si ça durait, il allait perdre, hein. Oui, bien sûr. Il pouvait pas, et pas d'autres. Voilà, fallait tenter le tout pour le tout. Hein. Le shonen est total. Putain, le tout pour le tout. Hein. C'est un peu anticlimatique, mais quelque part, t'applaudis, quoi. T'applaudis, ah, tu t'en fous. Hein. Voilà, alors laisse-moi juste trouver la musique qui va bien. Mais c'est incroyable, hein, ce qu'on a vu. On a eu des choses incroyables. On a eu des choses incroyables. Et au final, comme j'ai dit, les miracles ne se produisent pas deux fois, mais sauf quand c'est Seiya. C'était exceptionnel, hein. C'était exceptionnel. Et le plus beau match restera quand même la demi-finale contre Naruto. Bien sûr. Bah ça arrive, hein, que parfois que les demi-finales sont les vraies finales, hein, mais... Attention. Contre El Gran Padre. Il est listo para atacar. C'est Yar qui se bat contre les dieux. Il a déjà fait. Mais c'est Yar, il est inarrêtable. Hein. Ouh, belle esquive. Ah, il a été interrompu. Ouh là là. Oh là 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 là. Mais dis donc. Fuerza Suprema del Gran Sacerdote. Il a pas eu le temps. Il a pas eu le temps. Il a été interrompu. L'épée de lumière divine. Non, c'est bon, c'est pas il passé. Oh, mais il joue sur le fil, Seiya. Ah, c'est pas passé. Oh là là, aïe aïe aïe. Oh là là, là il a bouffé. Il a bouffé tellement fort, ça l'a détransformé. Oui. C'est vrai.
Il a perdu le septième sens. Tellement la gifle du grand padre. Tellement il a pris une faciale d'énergie. Tu vois, Vegeta, il aurait été à la Final Flash, Big Borgata. Non, l'autre, il a juste levé les mains, il lui a mis une faciale d'énergie. Donc l'autre, le temps qu'il trouve un sopalin, ouais, il est couvert, si tu veux. Il a désévolué. Il a pris une faciale tellement grosse que ça lui a raclé l'armure. T'as les copeaux d'or qui sont partis. C'est la peinture qui est en dessous qui est revenue, quoi. Ah, putain. Ah, là, il est dans le mal, Seiyar, là. Il est dans le mal, hein. La vie est compliquée, là. Oh, putain. Après le grand padré. Des chevaliers du Zodiac, hein, que Seiya se fasse défoncer et qu'il réussisse à gagner à la fin. Mais... Après, c'est le grand padré. Hein. Ah, il est vraiment ouais. Fort. Et là, il a réussi à claquer la Fuerza Suprema. Il va peut-être se prendre un listo para attaquer. Qui est l'ultra en fait. La comète de Pégase. Ah, il essaye. Il essaye, c'est beau. Ah, il le blesse. Il est perdu. Il est perdu, ça lui laisse le temps. Bon, il est raté. Ah, yes. Ouais, mais... quand ils sont trop hauts en fait, ça marche pas, ou trop bas. Ah, c'est bon, il l'a fait. Oh, dommage. Ouais, c'est bien. Il n'y aura peut-être pas de dernier miracle, là. Oh là là, 40K. Hein. Oh là là. 55K. Rayos. Dommage. Dommage. Hein. Dommage. Très belle tentative de la part de CR. On peut tenter de le pitcher encore contre quelqu'un d'autre. Pas le Grand Padré, parce que le Grand Padré est fort. Mais si t'as un match où tu veux voir un CR incroyable, on peut tenter. Hein. Moi, j'ai envie de voir le Zeno-sama... Ou des choses incroyables. Attends, y a pas un Broly, un gros Broly, hein. Un gros Broly bien vénère, faut voir. Hein. Ou bien sûr, alors là c'est pour le, là c'est pour la forme. Pour le grand final. Contre Jiren. Le Jiren, hein, le Jiren. Mais là attends, j'ai envie de dire dans ce cas-là, une seconde. Voilà, dans ce cas-là, CPU, la bataille. J'arrive. Va pour Seiyar. Qu'est-ce qu'on met contre Jiren encore derrière? Parce que Jiren va rouler, hein. Il va faire des allers-retours avec sa bite, hein, je vous préviens. Rien, ça se Fabio Lopez, je sais même pas ce que c'est ce perso. Je peux rajouter Leonardo. Je rajoute des persos au pif. Ronald McDonald. Et après, on peut peut-être avoir une surprise agréable, hein. On n'a pas vu Mickey ou Sonic. On va mettre Mickey, hein, pour le lol. Et un dernier, Neko Majin. Voilà, face, bien sûr, à El Gran Padre ou à Jiren, c'est au choix. Jiren, parce qu'on l'a pas vu, tant qu'à faire. Allez. Voilà, Jiren Poder Maximo, seul, hein. Il a besoin de personne d'autre. Hein. Salle de l'esprit et du temps, pourquoi pas. La planète Souffle, je crois qu'elle bug. Torre Mystique. Moi, j'aimerais bien un endroit qui pète, tu veux, qui peut exploser. Je sais que le monde Minecraft, il peut faire ça, donc faisons ça. Et là voilà. Est-ce que vous voulez parier sur ça? Est-ce que vous voulez parier sur une équipe de bras cassés contre Jiren et son Maximo Poder impossible? Ça veut parier? Eh bien ça parie. Place your bets! C'est parti. Tant qu'à faire. Hein. C'est vraiment pour voir jusqu'où le concept peut aller. Jusqu'où Seiyar. En fait, je veux voir jusqu'où Seiyar peut porter l'équipe. Voyons voir. Mais c'est là. Hein. Après, derrière, on balancera 2-3 matchs et ce sera la fin de ce torneo de poder. D'ailleurs, attends, je vous ai proposé le betting, mais d'abord, je vérifie qui a gagné. Nous avons Cyril 2004, mon cher Fred, qui est grand vainqueur. Grand vainqueur de ce torneo del Atico. Cyril 2004, il faut que tu contactes un modo. Si tu es dans le chat, donc tu essaieras de contacter un modo à l'infini si tu veux. Si tu es dans le chat, essaie de contacter un modo ou Scoxy afin de dire. Une adresse mail ainsi
que le jeu que tu souhaites, disponible sur Instant Gaming. Cyril qui est revenu après 5 défaites. Ah, mais... Comme tiens, quoi. Comme quoi. Et en même temps, je pense que le moment décisif, c'est quand tout le monde est mort avec, avec le Seiyar qui a brisé toutes les expectatives. Seiyar... C'est quoi la cote déjà? 360 contre 1. Inhumain. Inhumain. J'ai mis du Cascada. Hein. Il n'y a aucune limite. Hein. Mes Soundtracks n'ont plus aucune limite. Voyons voir. Non, attends. Ouais, ça fera le taf. Quoique, je regarde. Bon, mon cher Bob, ça sera mon dernier match, par contre. Allez, vendu. Demain, j'ai de la route. L'avant-dernier. Tu me feras le plaisir de faire un 2 contre 2 que tu voulais voir. Ça, c'était pour la forme. T'as encore pour 10 minutes. Hein. Ganara. La bataille commence. Seiyar arrivera-t-il à réaccomplir le miracle? Oula. Oh là là. Pas mal. Maximo poder supremo. Ce Jiren abusif. Oh là là. Oh là là, c'est Yar. Défend pas mal, hein. Ah oui, il se défend. Après, bien sûr, malheureusement. Tant que tu verras pas, il s'est détransformé encore. Oh là là, double ultra. En même temps, c'est le world boss. Hein. Ouais. C'est le world boss à Dokkan. 93 000. Neko Majin qui est là. Qui va se faire molestando. Ouh, mouvement de haute vélocité. Complètement raté. Dommage hein, parce que l'effet est beau. Hein. Ouais. Et le charger. C'est quoi, petit à petit, ils vont les friter, hein. Possible. Bon, pas quand il balance des ultras. Oh non, il a pas pu. Neko Majin qui a fait le bap du comics, de l'animé, le pouvoir de l'humour. Maxima Energia Liberada. Il est très bien fait, Neko Majin, en attendant. C'est même plus où il sort. Bah, c'est un manga qui a fait Toriyama. Ah bon. Oui, c'était une parodie. C'est beau, Gaspera. Movimiento de alta velocidad. Ah non, quel dommage. Oh là là. Pourrie de Jiren, oh merde! On arrête de jouer là. Il en a marre. Molestation. Jiren, il va rentrer chez lui. Ça n'arrête jamais. Arrêtez, il est déjà mort. Est-ce foutil? À la orden, señor. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Un
combo létal. Que pasa contigo? Oh là là! Maintenant, ça lui a fait mal. Ah, il balance. Je viens de réaliser que c'est Kiko Hayes était en forme de disque parce qu'il balance des pizzas. J'ai même pas vu. Oh là là! Energia poderosa! Verdadero poder de Leonardo! Pouvoir véritable de Leonardo, vas-y! Ça, ça fait mal. Ouais, il a pris là. Ah, c'est parti. C'est parti pour la molestation des JRN. Je coupe la musique pour augmenter le malaise. Mets une musique triste. Musique qui n'a rien à voir. Mets l'intro de Titanic. Dans un verre de narcotique. Ah, il est incroyable, Jiren. J'avoue. Ronald pourra-t-il faire quelque chose? Avec le pouvoir de l'Amérique et du gras. Où est le rire du Joker? C'est full cure. On s'attend à tout fois ça. Quoi, c'est un cacoucac? Ouais, j'ai rien fait de perso plus fort. Mais il y a plus fort, mais. Le irrape que j'aime possible. Mais il tient, hein. J'avoue que c'est celui qui a tenu le plus longtemps pourtant. Ah, et là, il a par contre là. Eh ben. Putain.
Comment il le spam, ce Maximo Poder. Ah mais il a raison. Enfin. Dieu merci. Ouais, merci pour les oreilles. Allez, ta gueule, Mickey. Allez, l'ultra, direct. Allez, Mickey aux chiottes. Aux chiottes. Qué mala suerte, no puedo ganarle. Ce Jiren qui l'a OS à la seconde où il est sorti du fion, quoi. Ouais. Aucun respect. Ah, il s'est fait Yamshad. Ah, mais bien sûr. Dernier match pour la beauté de la forme. Et après, je te libère. On va tenter un Yamsha Tenshin Han. Yamsha Mucho Poder. Attends, d'abord, est-ce que je peux voir les formes de Yamsha selon les costumes? Je pensais que t'allais tester genre un truc Legendario versus Jiren. C'est tentable, hein. C'est tentable. Je vais juste voir d'abord le... Je suis curieux en fait du Tenshin Han. Déjà, regarde les costumes. Ah, d'accord, il est mystique, ok. Oh, il a 4 bras sur cette version, c'est stylé. La fusion. Au secours. Attends, il est fantastique. C'est la troisième, c'est ça. Fais voir. Ouais, God Yamcha. Yamcha Kaioken, ok. Ah bah, Yamcha Fusion Potala. Potala contre la fusion danse. C'est un peu joli en plus. Ouais, mais c'est Tien Han contre Yamshin Han, du coup. Tien Sha contre Yamshin Han. Imbloquable. Écoute, hein, qu'est-ce qu'on met dans le champagne, t'as été bugué. Écoute, la ville, hein, Ciudad, c'est parti. Allez. Pas de betting, c'est net, parce que de toute façon, les victoires ont déjà été prises. Et ça avait été gagné par je ne sais plus quelqu'un 2004. Mais gros match. Hein. Qu'espères pour pelear? Esta sera la pelea definitiva. Il est dégueulasse. Ils sont parfaits. La bataille commence. Combinación dinámica. Ah, oh là là là, par contre il le lave. Il enchaîne. Oh, mais il le rince. Il se fait torcher le fion. Mais attends, il lui a mis un coup ou pas? Je sais pas. Pas souvenir. Il se fait rect. Apparemment, il l'a effleuré, je pense. Nadie te lo había dicho, pero no eres más que un pobre diablo. Bon, bah, il y a un argument pour les Potala contre la fusion à la danse. Hein. Ah ouais? Là, je crois que c'est assez. C'est pour ça, hein, c'est pouf. Alors attends, voyons voir. Benedette disait donc El Guerrillado. Allez, venir là-dessus. Contre qui? Contre Jiren. Contre Jiren, il est pas assez fort. Il y a Cell Boozer qui est invincible aussi, mais pourquoi pas. Essayons un Jiren. Je pense pas que Jiren le tienne, hein, le Guerrillado Ultimando, mais. Faut voir, on sait jamais. Hein. Il peut se passer des choses. Où est-il? C'est tellement absurde. Je peux tester le costume 2 hein, pour voir la gueule qu'il a. Vas-y. Pure curiosité. Et on va aller en l'enfer de Freezer. Vas-y. Les maps absurdes. Allons-y. Brave Jean. True match-up. Moumoutman contre Chauveman. C'est parti. La bataille commence. Impactons des poders. Ah, il lui fait pas de dégâts. Il arrête la chope.
Alors, c'est Jiren Maximo Poder ou... Eh, il est Maximo Poder, là. On rappelle qu'il a perdu contre Seiya. Ouais, ouais. Après, sur Afuera. Ouais, il a perdu. Et regarde, tu vois, il lui met un combo, ça fait 10 000 de dégâts. Ça passera pas. Oh, les skills. Oh là 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 là. 30 de dégâts. Oh, allez, dégage. Quelque part, je trouve ça étrangement poétique. Jiren full poder qui se fait vider, mais par l'original caractère DeviantArt dégueulasse. Ouais. No puedes ganarme, desígnate. Te voy a esperar. Te voy a esperar. Te voy a esperar. Te voy a esperar. Ce combat. Te voy a llenar la panza de agujeros. La Max. Super impacto de poder. Ouais, mais ça fait même pas une barre. Ouais. Oh là là là. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse ça 15 fois, quoi. Oh, il y a ce qui se passe. Te voy a llenar la panza de agujeros. Ah mais il se bat, hein, il se bat. Hein. Allez, tu vois, regarde, tout ce qu'il lui a fait, il l'a fait en équivalent de ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais, le perso est trop... Hey, direction la bonne liste. Ouais, là, là, le perso est trop original. Hein. Moi, je dis, on va tenter un autre perso trop original lui aussi, s'il a la moindre chance. Ou un Xeno-sama bien fumé. Je vois en fait, si c'est possible. Il est 23 de puissance, 22, 21, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, on a Xeno-sama qui est 27. Format Poder, 33. Fusionné à Zenku Omni King. Ou à Archon Evil Omni. Perso, donnez-moi un espoir. Donnez-moi un espoir d'un Zenku fusionné, un Goku fusionné à Zeno-sama par les potas. Quelqu'un demande Zenku. Oui, oui, c'est ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Hein. Cherchez pas les enfants. Hein. Allez, on y croit. Oh là là, le poder! Ça me donne presque espoir. La bataille commence. Hérisson contre Hérisson, la légende. Eh bien non. Ah, le mec il prend du pénis. Oh, ultra instinct. Impacto Mystico Kamehameha, c'est la chope. Ultra Instinct. Oh là 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 là. Enfin il prend des dégâts. Incroyable, tous les deux à Maximo Poder. Allez, un match. Impact mystique Kamehameha. Il a tenu. Ah!
Et ils ont plus de full résistance, ça veut rien dire. Ah mais ils se font des dégâts, hein. Je continue à penser que le guerrier légendaire a l'avantage. Mais pourtant, la différence de puissance, elle est massive. Évidente. Les cheveux. Perso fait aucun sens. Ah, listo! Ah, ça a touché. Ouais, ça a touché. Ça a touché, mais moi je barre. Le Genkin Dama divin, c'est l'ulti. Comme une barre, hein. 3, 3,5. Ah, c'est juste à côté. Ah, il le laisse faire. Il est gentil, attends. Il est beau joueur. Ah, ils balancent tous les deux leur poder. Allez, l'ultra. Oui. Ah, est-ce que ça touche? Ça touche. 9, très bien. 4 barres, 5 barres. C'est 9 barres. 9 barres. 9 barres, 10 000, c'est une barre en fait. Il est dans le vert, il est dans le mal. Il se répand, il y a 20 différences entre les deux, quoi. Mais il se défend. Ah bah il tient bien, ouais. Oh là là là. On en pâme les deux dernières barres. Enfin. Oh là 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 là. La rince, mon gars. Ah, mentalement, il est brisé là. On est à Konoha. Le JPEG pourra. Ah, mais ils ont codé ça dans le jeu. UI. Double UI. Listo. Para atacar. Enterré. Enterré. Mais pour un match où il y avait 20 différences entre les deux persos. Le perso, il est craqué, il est vraiment craqué. Ah, alors que des vrais matchs très jolis, c'est Vegeta SSJ5 Mystico et Goku SSJ5 Mystico. J'en avais fait un comme ça, c'est pour ça. Mais toi, je te laisse nous abandonner, laisse ça éventuellement en fond, si tu finis tout ceci, voilà, ça te permet de te tirer. Moi, je le balance, mais c'est pour la déco. Vraiment, où est le château Oblivion? Oh, il y a ça, voilà, impeccable. C'est pour ça. Merci infiniment, faites des bisous à Fred. C'était El Torneo del Atico. On en refera, hein, c'est fantastique, hein. Moi, je... Et là, il faut dire que le Torneo del Atico est fini maintenant. Oui, bien sûr. Le Torneo del Atico est fini. D'ailleurs. Et le grand vainqueur, c'est Cyril 2004. Hein. Le Torneo del Atico del Power ya está cerrado. Voilà. Des poderes. Je me souviens de mes leçons espagnoles. Ah, c'est beau. Gracias para participar. Gracias para vuestra participación. C'est ça. Allez, des bisous. Des bisous, Fred. Merci. Salut à tous. C'était fantastique. Coupe le parsec, du coup. Coupe tout. Yes. Coupe tout. Pas de soucis. Attends, je vais couper moi-même parsec. Voilà. Ouais. J'ai connecté. Vas-y, but. Voilà, but parsec. Pour le... Voilà, c'est bon. Il a coupé, il a quitté. Ouais, bah très bien. Impeccable. Impeccable. Eh ben, c'était somme toute fantastique. Est-ce que Cyril 2004 a contacté Scoxy
a juste contacté Scoxy ou quelqu'un pour dire ce qu'il voulait comme jeu, j'essaierai, pas de nouvelles, bah j'essaierai de le j'essaierai de voir si Cyril 2004 est toujours là. N'a pas répondu non plus. Bah très bien, c'est pas grave. Mais là voilà, on va se lancer quelques matchs de plaisir, brave Jean. C'est juste pour nous. Juste pour nous, hein. Pas de betting, c'est juste à froid. Impeccable. Mais c'était cool, je suis content que tu vois, ça lui ait plu, tu vois. Est-ce que je peux avoir un... Entiende, tu nunca me podrás ganar. No te metas con Vegeta porque puede irte muy mal. Allez, on peut même monter le son. La batalla comienza. Maldito. Ya basta de bromas. Eres una basura. ¡Ah!
pelea ha terminado. ¡Bap! ¿Entiende? Tú nunca me podrás ganar. Eh, ve. Impresionant. Impressionnant, impressionnant. C'était les gros matchs. Hein. On va, c'est mes oreilles, mais c'est Kido. On va bientôt s'arrêter là, brave Jean. Si Cyril ne s'est pas déclaré, ce n'est pas grave. On attendra un autre live pour qu'il se déclare. Je vous fais pressentir, prégoûter, entre guillemets, les prochaines roms sur lesquelles on va pouvoir se saucer. Il y a Ultra Poder, qui est bien. Maximo Poder. Et Maximo Poder, enfin Maximo Poder Divino, qui est meilleur que Maximo Poder, et Super GT Trump d'Azé. Et ça, ça aussi, c'est qualitatif, qualitatif de ouf. Mais c'est vraiment juste pour se faire plaisir, se faire goûter, comme on dit. Zeno, il vaut pas grand-chose, il fait juste des dégâts à 999. Il est nul. Mais là, voilà, c'est pour le... C'est pour voir ce que Luckfast nous a préparé. Miam, miam, miam. Bravo, Jean. Demain soir, on tournera sans doute du House Flipper, d'ailleurs. Faudra. Oh là 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 là. Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi, 3 Latino. Vamos a pelear! Je vous laisse voir les persos. Attends, on va voir la liste nous-mêmes. On va voir la liste nous-mêmes. Les modèles. Goku base, fais voir. Voilà. Plusieurs costumes. Stylé, tu vois. SSJ, bien sûr. SSJ2. SSJ3. SSJ Goto. Brou. Brou Kaioken. Ça, c'est classe. Oh. Merde. Oh là là, on aura Ozaru contrôlé. Elle est vachement bien fait. Il est vachement bien fait ce mode. Perso. Je le trouve très qualitatif. En termes de qualité de visuel et tout, il est super bien. Goku SSJ3. Ultra Instinct SSJ3. Merde. Je sais pas ce que c'est ça, Goku Kaito. Ah d'accord, Goku Angel, ok. Encore un Goku pété du cul. Goku SSJ4 Golden, miam miam. Oh là là, SSJ3 Divi Podremos, c'est pas possible. La qualité. Goku AF, putain. Je me souvenais pas qu'il avait ça dans AF avec les boules de cristal. Goku Super Saiyan 7, ça par contre je m'en souviens. Goku Super Saiyan 8. Super Saiyan 9. Super Saiyan 10 Poder Prohibito. Puissance interdite. Oh là là, ce Vegeta. Ah, ils sont super bien faits. Ah, cette ROM, ils se sont fait chier. Hein. Tiens, ils se sont fait chier. Ah, il est pas en SSJ4, non, il est en bleu, d'accord. Et là, attends, si tu reviens avant, est-ce qu'il passe en SSJ4 plutôt qu'en blanc, en bleu? Ouais, tu vois. Ils se sont fait chier, hein. C'est quali, hein. Et vous regardez que même la taille des muscles change, hein. Qualitatif, les enfants. Blue Evolution. Ultra Instinct. Ultra Instinct Omen. Bien sûr, le Gogeta sous toutes ses formes. Ouais, forcément.
2X Gogeta, je sais même pas quelle est la différence. Vegeto, Dragon Ball Super. Donc il a le blue. Est-ce qu'il a le 4? Ah, il a un Vegeto 4 hein. Oh, c'est Kali hein. Bracelet de DB Fusion, Bob. Ouais, bah bah. Oh, il y a Gohan Blanco. Gohan du futur. Gohan Blanco du futur. Oh, Gokan. Avec les lunettes, hein. Frieza, Dios de la Destruction. Stylé. Ah, Colifla, elle a un ultra instinct direct. D'accord. Pas d'étape, on s'en bat les couilles. Oh, elle est bien faite, putain. Ah, ils ont l'air quali, hein. Oh là là là. Oh, le hit absorb... Enfin, avec comment ça s'appelle, Baby Absorbed. Ah, il est très propre, hein, ce mode. Ah, Maximo Poder, bien sûr. Il est quali, le mode. Topo version fat, mon gars. Topo version fit, mon gars. Oh là là. Humanos despreciables, prepárense para recibir su castigo. Ok. Cuando gustes. Oh là là. Ultra instinct goquette. Hein. C'est tellement con. C'est tellement stylé. Alors ce Vegeta Yadra. Ah mais c'est quali ce mode hein. Ce mode il est incroyable hein, je veux pas dire mais... Ah et même la version originale, oh là là, oh là 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 là. Les mecs s'offrent tout. Les mecs s'offrent tout. SSJ3 Broly. SSJ4 Broly. Les mecs s'offrent tout. Goku Ranger Red. Hein. Assez imbloquable. Oh là 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 là.
Ah, c'est là qu'on met les pots d'air prohibito quand même. Ah, ça se limite à rien. Vegota. Poder prohibito. Oh là là. D'accord, c'est là qu'ils ont rangé les autres dieux de la destruction en fait. Ils ont pas tous mis, mais ils ont mis des recolores. C'est cool, putain. Mecs se sont fait chier. Hein. Oh là 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 là, cette Calidad quand même. La Calidad qui est imbloquable. Mais sur cette Rome, ils se sont fait chier. Hein. Il est dégueulasse, je suis pas contre. El Grand Padre. Ah, il est dégueulasse celui-là. Ah, c'est pas le même. Il y en a un, c'est celui du futur et l'autre non. Lol. Oh là 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 là. Pas de différence ? Non, pas de différence. Légère différence de couleur, mais ça change rien. Oh là là, Black Caroli ! Ils sont tellement bien faits. Avouez, c'est imbloquable. Oh, il y a toutes les versions, quoi. Oh là 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 là. Mais jusqu'à quel point ils nous régalent. Ah lol, Kaminoren avec Kefla, Caulifla contrôlé par Kaminoren. Oh là 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 là. Ça s'offre tout, hein. Ah, du coup, avec Kefla. Qui est ce perso? On saura jamais. Très bien. Ah, il a la forme Heart, Super Heart et Mega Heart. God Heart, mais oui. Oh là 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 là. Ça s'offre toutes les luxes. Toutes les luxures. C'est tellement cool qu'il y ait des costumes tellement classe. Dommage qu'il n'y ait pas de visualisateur, quoi. Oh, bah oui. Oh là là. Vegota toujours. Lol. Ce Bardock boosté aux hormones. C'est Zaiko, c'est là qu'ils l'ont mis, mais oui.
Oh là là, ils sont offerts quand même. Ils sont mis les luxes, hein. Ils sont tout autorisés, les mecs. Ils sont tout autorisés. Podea Prohibito, bien sûr. Gohan Podea Prohibito. Les Podea Prohibito qui font aucun sens. D'accord. Oh là 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 là. Oh, ce Broly baby absorbé, quoi. Bou baby absorbé. Ah d'accord, c'est Broly mais avec une armure de Saiyan, ok. Ah, le Dark Shenron, bien sûr. Le Black Shenron. Baby Absorbed Shenron. Cell Shenron. Oh là 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 là. Jiren Broly absorbé. Cell Boozer, il est là. Bouquet absorbé, Cell et Freezer. Et je sais pas ce que cette abomination. SSJ4 Ultra Instinct, lol. D'accord, Goku Zeno, c'est le même. Et après, on retourne au Goku de base. Eh ben putain, les mecs sont quand même un peu régalés, hein. Les mecs se sont un peu régalés, hein. Il faut l'avouer, hein. Moi, je veux voir, c'est par la curiosité, si tu veux. Faut se rappeler des costumes par contre, mais c'est la max. Ah oui, c'est le problème. Bueno, espera. Ok. Poder Maximo, ok. Este lugar será donde tú morirás. Ah, c'est Broly, quoi. Más vale que estés preparado. Bon. Uno, ¿quieres comenzar? Ay, crash la boule, c'est stylé. Imbéciles. Kakaroto. En tout cas, c'est classe, hein. Alors. Comment on chope? Ah, et c'est deux fois la chope? Non. Non. Comment on fait la chope?
Ah, deux fois X, c'est ça. Oh, il a même la bonne en plus. C'est bien foutu, hein, le jeu est quali. Hein. Il a même changé de taille. Pouvoir incontrôlable. Oh là là. Este será tu fin. Ah d'accord, faut le faire au cac. Bah alors. Ah il abandonne, d'accord. Navré Kyugawa, merci. Ah c'est de la défense, ok. Ah il peut. Soy el mismo demonio. Bueno, ¿quieres comenzar? Soy el mismo demonio. Está bien. Este lugar será donde tú morirás. Vaya, vaya. Ah c'est pas mal hein. Voilà les persos ont l'air stylés. Enfin je ah merci infiniment SpongePierre. Mais les persos ont l'air stylés tu vois. Ça a l'air bien foutu c'est bien travaillé non je cet homme me surprend par sa qualidad hein. Cet homme surprend par sa qualidad. Ah, je veux voir, attends, que vaut ce Jiren quand on le met en mode PC si tu veux. Du coup, on donne au second classement. Non. Ça m'arrange parce que cette semaine ma carte bleue marchait pas alors. Ça m'arrange. Eh ben. De ninguna manera ese sujeto me vencerá. Ça. Mais c'est imbloquable, lol. Ah.
Usa toda tu fuerza. Soy el más fuerte del universo. Attends, t'es la téléphone. C'est en ligne droite, putain. Ah, pero qué estúpido eres. Has hecho algo muy absurdo. Usa toda tu fuerza. Ça sauce, hein. Quiero acabar con esto de una vez por todas. ¡Desaparece! ¡Resplandor final! ¡Qué sujeto tan fascinante! Bien jugué. D'accord. Juste une explosion normale. Oh, c'est classe. Este momento siempre lo esperé.
Ouah, trop bien fait. Este momento. Estúpida. Este momento. Siempre. Este momento. Siempre lo espero. Este momento. Eres fuerte. Como siempre. Eres fuerte. Petite faciale. Mejor prepárate para defenderte. Demonios, esto ya me colmó. Demonios, eres un imbécil. Muere. ¡Eres un carnata! ¡Demonios! ¡Esto ya me colmó! ¡Oh, la, la! ¡Soy el más fuerte del universo! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Eres un imbécil! ¡Muere! Ouais, c'est une grosse explosion quand même, hein. Allez. Mejor prepárate para defenderte. ¡Ya basta de bromas! ¡Ya basta de bromas! ¡Ya basta de bromas! ¡Oh, la, la! ¡Quiero acabar con esto de una vez por todas! ¡Ya basta! ¡Estoy atrás de ti! ¡El ataque! Joli. Vaya, vaya. Ya basta de bromas. Ah, j'ai pas de forme au-dessus. Mejor prepárate para defenderte. Este momento. Siempre lo esperé. Mejor prepárate para defenderte. Es duro. Eres fuerte. Oh là là, bref, il me rince. Mais voilà, je voulais tester le personnage pour les attaques et tout, et c'était sympa, hein, c'est joli, hein, c'est bien foutu. Hein. Pff, les versions Prohibito. Moi, je sais pas où, mais je suis à semi-convaincu. Hein. C'est quand même très présent. Hein. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas les costumes, cependant, que ça ne dise pas quel est le costume de quoi, parce que je sais que c'est fumé. C'est fait avec amour, hein, j'avoue. Hein. Oh, c'est bien fait. Toda esperanza.
Te daré tu merecido. Il a une forme ou pas? Non, il a pas de forme. Moi, je cherche les persos. Je cherche les persos secrets, si tu veux. Un truc un peu plan cadeau. Un peu plan cadeau du cul. Montre-moi ce que hit il vaut. C'est de la curiosité, hein. Je vais bientôt m'arrêter. Vas-y. Rayon de dispersion, ok. Bande explosive, haute tension. Démontrerai ses habilidades. Game, game. Eh ben. Esto es el super pellito. ¿Qué sucede? ¿Te comieron la lengua los ratones? Clásico. Yo creo que es hora de acabar contigo. ¡Que desaparece! ¡Te has hecho corto! Ah, c'est classe. Yo soy el encargado de acabar contigo. ¿Qué sucede? Eso hiciste. ¿Qué? ¿Qué sucede? Ya deja de ponerse en contra de tu vida y ponte a pelear en serio. Ah, il veut se faire péter. Le Final Flash. Oh, c'est classe. Oh là 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 là. Si tuviera una posición de perro que me permitiera utilizar todo. Llegó tu hora. Es imposible que pudiera ganar. Y en tus sueños no lo... No puedes igualar mis movimientos. Ya no es nada más de defenderte. Oh.
si tuviera una posición de poder que me permitiera utilizar todo mi potencial. Llegó su hora. Ah, c'est la même, d'accord. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, c'est juste x10, d'accord. C'est joli, putain, ils ont fait le détail, quoi. Oh là 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 là, c'est Latino quoi. Está feito. Ah, il prend en pleine face là. A ver si ya te das cuenta. Este es el super pe. ¿Qué sucede? ¿Te comieron la lengua los ratones? Oh, c'est classe. Oh là 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 là. Oh!
creo que es hora de ¡No puedes igualar mis movimientos! ¡No eres capaz de defenderte! ¡Te has hecho poco! ¡Te has hecho poco! ¡Este es el Super Vegito! Ah, c'est pas le temps. Utilizar todo mi potencial. ¡Sentido! Este es el super. Ouah, c'est Kino, hein. Je veux pas dire, Pouah, là, 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 là. Ah, je vais bugger la ROM. Ok. Bon, bah écoute, c'est parfait. On va s'arrêter là. Je voulais tester, en fait, toutes les possibilités que ça offrait. Et cette ROM, Maximo Poder Divino, je veux pas dire, mais visuellement, elle est irréprochable. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, les enfants. Il faut avouer les choses que c'est très impressionnant. Luckfast, il a trouvé ça. Qualitativité absolument inébranlable. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette Torneo de la Tico. C'était... Oula. Merci. C'est la fin de ce Torneo de la Tico au poder absolument inébranlable, indiscutable, qualitativa, adonf. Merci infiniment. Je m'enfuis. Je dois dire que j'en ai toujours en stock. Bah, le Kfas fait péter, hein. Fait péter, hein. Parce qu'il y a des roms. Bon, bah, je pense que je vais les discard, mais... Mais en arc, sont incroyables, hein. Ah bah voilà, c'est je dois les tester avant. Ah bah oui, qualité, hein. Qualité, hein. Attends. J'arrive. C'est moi juste trouver l'image. Voilà, histoire de pas vous laisser partir comme ça. Merci infiniment.
Ce sera l'image donc pour le prochain nettoyage de maison. Voilà. Gros bisous à tous. Merci et à la prochaine. Allez, zou. Esta batalla, si llego yo ganaré.